Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le Striker pour la pause café de Matsune. Et oui, la mise à jour vient tout juste de sortir et j'en profite avant d'aller déjeuner de faire une petite session Warté avec le Striker, un véhicule type chasseur de chars. Et on va voir ce que ça donne, c'est la première partie avec et nous sommes sur Ardennes en domination et en nocturne, évidemment. Comme ils ont intégré pas mal d'éléments en nocturne, c'est logique qu'on se tape du nocturne. Donc on est en 9.0 américain, je ne l'ai pas précisé, avec le Striker, un véhicule de fourbe, un chasseur de chars, on va dire. Véhicule assez rapide, hein, regardez, 40 km/h en tout terrain. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas du tout si je vais apprécier. Ah, c'est sympa, là. C'est pas mal éclairé. Je ne sais pas si je vais apprécier ce type de gameplay, ce type de véhicule, et on va voir ça tout de suite ensemble, en direct. Ah, c'est sympa. Les parties nocturnes sont beaucoup plus intéressantes avec effectivement les espèces de fusées éclairantes. Bon, je vais peut-être flanquer avec la MX 30 Super. Attends-moi, copain. Donc je vais tester pas mal de véhicules et je vous en ferai un petit peu l'idée. Hein, c'est juste du gameplay, voir ce que ça donne. Voir si j'apprécie. Donc moi ce qui me surprend tout de suite avec ce Striker, c'est qu'il est en 9.0 et il perce plus de 120 mm de pénétration sur un 105. À ce BR là ça fait quand même super mal, en plus on a de la thermique, on a de l'infrarouge HD, donc beaucoup d'avantages. Bon après c'est une voiture, donc il n'y a pas de blindage. Enfin c'est une voiture, c'est un petit camion, camion blindé. Alors... à faire gaffe. Alors je suis pas très à l'aise en nocturne. Ah, la preuve, je vois même pas ce qu'il y a devant. Mais c'est pas grave. Donc cette nouvelle petite mise à jour est surtout basée sur des avancées graphiques. Bon, il n'y a personne ici. Je suis un peu embêté. Ça c'est un méchant ça. Ouais. Boum. Elle est un type 69. On a le même problème que sur le Warrior, c'est qu'on a les échappements du Striker qui est au niveau sur le côté, ce qui fait qu'on est un peu ébloui avec la thermique par moment. Les spécialistes, vous voyez, typiquement là je suis complètement ébloui. Les spécialistes comprendront. En tout cas, je suis très content. J'ai eu pas mal de messages de votre part, c'est plutôt sympa, une belle interaction en ce moment, c'est cool. Ouais bah je flanque, hein, je me mets en position de flanque. C'est un peu le rôle de ce véhicule, c'est créer de l'embuscade. C'est vivant ça? Non, ça c'est mort. Là il y a un truc apparemment. Bon là les Russes ils sont pas aidés. Ils ont pas de thermique à ce BR là, sur les T55, voilà. Enfin je crois pas, un T55 M1 en moins. Je pense pas qu'ils aient de la thermique. Bon là ils se font un peu défoncer. Hein. Si c'est trop long, je ferai les coupures. En tout cas, les graphismes ont été améliorés, on a des superbes nuages en aviation, une nouvelle physique. Voilà, il y a tellement de choses à voir que j'en ferai... Je vais tester après le MiG. Oula, là il y a un truc. Le MiG 21 bis, j'ai envie de le tester avec vous. Bon, j'ai une petite heure là, j'espère pouvoir faire quelque chose. Ouais, donc un véhicule qui sera extrêmement violent, vu sa vélocité et pénétration. Ça c'est un méchant ça. Vous voyez, typiquement un T72 AV Premium en moins. Bon, 3 destructions, c'est pas foulichon, mais bon, je suis vivant. Ouais, il a une bonne mobilité en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il a un canon haut, sans tourelle entre guillemets. Hein.
Bon bah là la partie elle est pliée. Je pense que je vais vous en proposer une autre. J'essaierai d'en faire deux. Ah c'est sympa les lumières là. Bon là ils sont spawnés au spawn kill hein. Bon bah en tout cas j'ai pris aucun tir direct. Donc il a des grilles de protection contre les RPG ou alors ATGM, mais je pense pas que ça les arrête. Je pense pas, ou plus à charge creuse peut-être. Je sais pas comment ça se passe, faudrait faire des tirs de balistique. Bon voilà, on va passer à peut-être un deuxième petit replay parce que là il se passe pas grand chose. J'ai presque envie de dire que je m'ennuie. T'en penses super. Un véhicule que je n'ai pas du tout. J'aurais bien aimé acheter, mais j'avais pas le budget. La MX-30 super. Voilà, c'est spawn kill tristesse. Là, il y en a un. Ah ouais. C'est que la carcasse suivante. Alors, pause café numéro 2, nous sommes sur Rivière de Cendres, toujours avec le Striker, donc véhicule d'intervention rapide, non franchement un véhicule de fourbe, et là je sais pas trop quoi faire sur cette carte parce que je suis pas sûr d'exploiter le potentiel de ce véhicule. Un véhicule léger avec un très bon canon de 105 qui a une très grosse vélocité et un fort pouvoir de perforation. On est à plus de 500 mm de pénétration en 9.0, je sais pas si vous vous rendez compte, et on est deux. Je vais peut-être passer par là-bas, je vais être bloqué. Ah, ils ont rajouté du gazon. Ils ont modifié les textures. Je vais passer de l'autre côté. Ouais, il a une bonne mobilité dans la boue. Hein. Il est marrant en tout cas avec ses grilles de protection contre les RPG et ATGM. Après, je sais pas si c'est vraiment efficace. Donc un véhicule qui va être un petit peu cancer, quand il va être bien situé, bien planqué. S'il y a juste la tourelle qui sort. Personne, je vais essayer de passer. Ah, donc là on est face au teuton. Ah, ils sont déjà en train de caper tous les points. Ça présage rien de bon. Alors je vais mettre ici en attente. Oh, il grimpe super bien. Ah, il y a un mec là déjà. Aïe, j'ai pas fait de dégâts. Ouh, il m'a pas vu. Il m'a pas vu du tout. Allez, 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 recharge. Boum. Un petit âme en moins. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est un autoloader. Je trouve pas rapide du tout. Je crois que c'est un 12 coups. Bah, comme les Français, un petit peu. Char à barrier. Je sais pas si j'ai un angle sur le mec sur B. Est-ce qu'il va passer? Je ne sais pas. Ça ping. Ouais, je temporise un peu. Hein. C'est un véhicule, vous pouvez pas taper dedans. Hein. C'est pas possible. Il ouais, y a un mec qui est juste là. Quoi? Je l'ai pas tapé là? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il est mort? Non. Bah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Mon tir a été absorbé par le mur. Bon, en tout cas, L44 en moins, ça c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu d'arty.
sont déjà en train de faire du spawn kill là-bas. Enfin, ils sont en train de remonter. Il y a un mec qui passe. Une Fiat. Allez, 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 grimpe, 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 grimpe. Ah, il est pas rapide, hein. Il manque un petit peu de puissance. Je fais attention quand même. Alors, la thermique, elle se berre là, c'est du easy. Allez, viens là, boum. Ah, ok, non. Radiateur. Ça, c'est les petits poisons. Allez. Derrière 3. Retour garage. Je retourne à ma planque. Bon, bah, pour le moment, ça se passe bien. Moi, ce qui me sidère, c'est de jouer à ce BR là sur des maps comme ça. J'en peux plus. Je vais être honnête avec vous. Là, je vois rien. Ouh, il y a un mec là qui est planqué. Ouais, c'est... je rêve pas. Alors, normalement, les carcasses elles restent. Hein. Détruites, ça. Les carcasses détruites, on peut s'en servir, ça c'est quand même pas mal. Je suis un petit peu emmerdé, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas l'habitude d'être en mode sniper. Canon à lui. Bon, de toute façon, je commence à être un peu grillé. Faut que je fasse super attention. Ouais, c'est un peu comme le Warrior, je suis ébloui par les gaz d'échappement. Pour ceux qui jouent Warrior, ils savent de quoi je parle. Vous avez les gaz d'échappement qui passent devant la vision thermique, enfin le capteur thermique, enfin caméra thermique. Bon, là, je me casse. J'ai monté allié T55 qui est mort. Je vais aller voir. Ok. Oula. Il est là. Oh, pouah, j'ai tiré. Il a tiré plus rapide que moi. Bon, bah 3 destructions. Retour garage. Je sors le XM803 en 9-0. Bon, c'est pas foufou, mais allez, on tente de la gagner. Ce qui n'est pas parti pour, j'ai l'impression. Ouais, les Américains, ils ont un sérieux atout avec le Striker. Je trouve. C'est un ajout qui est assez intéressant. Bon, nous, on a le Clair S2. Voilà. On en est où? C'est pas gagné du tout, là. Stock mon machin là.
Ouais, je vais tester, je pense, le T90A, bah, effectivement le Léo de A6, et puis le MiG 21 bis. J'avais très envie de le tester. La fusée soviétique. Pas gagné hein, cette partie. Bon, je vais me placer par ici, hein, c'est pas un mauvais placement. Oh putain, il m'a fait peur, c'est moi. C'est ma carcasse. Ouais, en tout cas, les GIs qui sont là-dedans, ça va pas être rassurant. Parce qu'une sacrée boîte de conserve. Ah, on se fait caper le point B. Bon, il va falloir qu'on se bouge. Parce que là, elle est loin d'être gagnée. Hein. Et ça sent la défaite. Oh, je me fous, je me speed, j'ai super faim là. J'ai pas encore mangé. J'avais très envie de tester la mise à jour. Voilà, je passe au milieu, hein. Je prends des risques, mais en vrai, il faut se bouger le cul. On a pas le choix. Je vais essayer de contourner les mecs qui vont sur B. Ah, bah, il y en a un déjà là. Assez dangereux. Ouf, j'ai pris un mauvais coup là. Qu'est-ce qui a ricoché là? Il y a un truc qui vient de se barrer. C'est quoi? Voilà, je suis pas serein du tout. Ce que c'était comme véhicule. Ah, je le vois. Ok, c'est un italien ça. OBL, quelque chose. Des risques, je peux prendre un mec qui sort du spawn. Ah, il est là. Ouf, OBL 74. Allez, je me barre de là. Ils sont sympas, hein, les 9-0 américains. Entre le MBT-70 et lui, là, ils sont très très sympas. Ils bougent bien. Bon, bah, cette destruction, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. Diront certains. En tout cas, merci pour vos coms, ça fait plaisir, ça motive. Ça respawn ou pas? Non. Je suis pas serein du tout. Ouf, il y a un truc là. J'ai eu chaud au cul là, on va le dire, on va pas se mentir. Ah, j'ai l'assist, bon c'est pas mal. Là faut que je me casse de là. Je suis à la sortie de spawn. Allez allez, on s'en va. Je vais le finir.
Oh non. Bon. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Ça fait plaisir.